Eh bien bonjour tout le monde, c'est Nimikoupa et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour Mario Kart 8 Deluxe en 200cc bordel de merde. Ouais je sais, c'est pas très beau ces trois là, c'est moche. Juste avant, attendez, bordel. Ok c'était bizarre. Désolé pour les autres vidéos, hein. Je sais que la caméra est vraiment très moche. Alors, j'ai hésité, je me suis dit peut-être que je devrais me retaper toutes les coupes, limite. Comme ça en même temps j'aurais une chance d'arriver aux 3 étoiles, mais ça aurait été clairement chiant pour moi, hein, qui en chie. Et ça serait chiant tout court, alors j'ai décidé que non. Et du coup pour cet épisode on va choisir ma harmonie, allez. De toute façon c'est ma princesse préférée dans les jeux Mario. Hein. Ça c'est classe. Du coup, on va prendre une bagnole un peu merdique quand même. Allez, c'est sympa ça. Et du coup, on se retrouve pour la coupe feuille. Et putain de merde. Du coup, encore. Ouais. Ouais. Bah, j'espère qu'on va réussir le 3 étoiles. Je n'y crois pas, mais si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, fait chier. J'ai dû la faire énormément de fois online celle-là. Parce que putain. Alors. Je pense que je vais peut-être augmenter le son à la fin de la course. Ou au pire, je ne parle plus juste pour. Je ne parlerai pas énormément parce que de toute façon, parce que j'ai rien à dire. Et c'est vraiment horrible. C'est très utile, mais putain, qu'est-ce que c'est horrible ce truc-là. Accélération et tout. Ah, donc en plus il y avait le gyroscope. Peut-être pour. Du coup, là, ça va être utile, je pense. Ok, bon, on va tester. Hein. Parce que si c'était à cause du gyroscope que j'ai fait que de la merde depuis très longtemps, enfin depuis 3 semaines, ah putain. Je comprendrai jamais ceux qui aiment le gyroscope. Parce que putain de merde, qu'est-ce que c'est horrible cette merde. Ah, je regrette d'avoir pris ces roues-là. Là, si on n'est pas premier hein, à la fin, c'est logique. Hein, c'est à cause des roues. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a des roues qui sont roues. Ah bah enfin, elle est rapide. Et merde, on l'a pas eu. Enculé Todd. Tu vas mourir. Comment ça, je l'ai pas eu? C'est bizarre. Ok, c'est bon. Hop, nique ta mère. Il est bien celui d'Harmonie. Et ça va me mettre sur moi, parce que nique ta mère. Bon bah quatrième c'est mieux que rien on va dire. C'est mieux que huitième. Donc on est mieux que le roi Bou. Hé, enculé. Ah, j'ai un peu le seum de ne pas avoir mon Samsung. Au moins j'aurais pu faire. J'aurais pu mettre des pauses entre les temps de chargement, ça aurait été franchement mieux. Mais bon, pas grave. Hein. C'est la vie qui est une pute. Mais bon après je vais pas me plaindre de l'iPhone, hein, parce que 64Go c'est vraiment utile. Genre vraiment, hein, j'ai pu tourner les 6 dernières vidéos et j'avais encore une tonne de gigas, c'est juste énorme. Je savais que 64Go c'était grand, mais pas à ce point, clairement.
Grâce à la vitesse supersonique, nous avons réussi à être deuxième. On va toucher quelqu'un là-haut, hein, tant mieux. Mais je n'y crois pas. Et j'ai vraiment un déconné, bordel de merde. Allez, c'est bon, nique ta race pour Luigi. De toute façon, t'es pas sur Smash, enfoiré. Et je rigole, mais ça me fait mal parce que je le veux sur Smash. Pour des trucs comme ça, je déteste le jeu. Allez, crève, enfoiré, Dimpling. Je dis ça alors que, après avoir tourné toutes les vidéos de Mario Kart 8, je vais faire Splatoon 2 en let's play. C'est horrible, là je force pour aller à droite mais ça veut pas. Hein. Je vous jure que je forçais pour être à droite. Oui, bien sûr. Il attendait que je me mette devant lui. Ouais. Je sais même pas comment j'ai fait, alors tant mieux, mais... Non, vraiment, je sais pas comment j'ai fait, et putain de merde, j'ai craché un peu sur la Switch. Ouh. Mario Kart 8. 8. 8. Oh putain, mais cette course elle était mieux sur 3DS, bordel. Sur le Wii U et le Switch, elle est horrible. Et finalement, FNAF, ça pourrait être bien sur Switch. Avec la qualité de merde, vous aurez pas énormément peur de jumpscares, contrairement à moi. Donc quitte à faire du FNAF, je préfère clairement les faire sur PS4 en bonne qualité. Pourquoi? Parce que je suis un enculé. Et j'aurais pas dû dire ça. On ressentait mon seum. Allez, nique ta mère. Oui, bien sûr. Ah bah, même lui, son épreuve plein la gueule. Ouf, putain de merde. Bordel, j'en ai marre. Par contre, j'avais un objet qui a disparu. Est-ce normal, Nintendo? Le jour où je vais faire des critiques sur certains jeux, bordel, il y en a, je vais leur en mettre plein la gueule, mais vraiment. Ah, ils auront beau être adorés par plein de monde, je vais leur en mettre plein la gueule à ces gens en question. Je vais me faire plaisir. Surtout à côté du Joy-Con Drift. Pff.
Parce que bordel de merde, c'est grave que Nintendo ne fait toujours rien en rapport avec ça, alors que ça existe depuis 2017. Depuis le lancement de la Switch, le Joy-Con Drift existe. Et que 4 ans après la sortie, Nintendo ne fait toujours rien pour régler ça, bah c'est dégueulasse. Genre on dirait les Japonais ils ont pas de Joy-Con Drift, c'est qu'en Occident qu'on a ça. Déjà ça prouverait qu'on est quand même de sacrés fils de pute les Européens, mais bon ça tout le monde le sait. On a presque jamais de jeux bons. Enfin tous les jeux qu'on a c'est du EA, Activision et Ubisoft, c'est-à-dire de la merde. Surtout que c'est des jeux blindés de microtransactions, bordel. Ce qui prouve que c'est vraiment de la merde. Je tourne à droite et ça veut pas. Oui, bien sûr, il a réussi à m'avoir, allez. J'ai des envies de meurtre. J'ai envie d'aller au Japon, aller chez Nintendo et de faire un putain d'attentat là, c'est très grave. Vraiment. Non, peut-être pas un attentat quand même, mais... Non, jamais. Jamais j'oserais faire ça. Mais par contre, les torturer, ça, je le ferais. Parce que bordel de merde, avoir des bugs... Parce que qui ne règle jamais le Joy-Con Drift alors que c'est un problème grave depuis le lancement de la Switch, c'est dégueulasse. Il y a même du Joy-Con Drift sur la Switch Lite, bordel de merde. Imaginez sur la Switch Lite. Putain. Déjà sur la Switch normale avec ça, c'est de la merde, mais imaginez sur la Switch Lite, hein, comment les millions de personnes qui ont acheté la Lite, ils se sont fait enculer. Oh bordel. Oh mon dieu. Ouais, c'est, ça aurait été trop beau. Hein. Fils de pute. Est-ce que j'ai besoin de rajouter autre chose? Ah, le bâtard il a esquivé. Alors. Tiens Mario Kart. Enculé. T'étais mieux sur Wii U, espèce de fils de pute. Sur Switch, t'es vraiment une merde. Allez. Alors. Est-ce que je peux avoir une bonne nouvelle au moins? Statistiques. Ouais, du coup, j'ai pas gagné beaucoup de pièces. Par contre, c'est énorme tout ça. Bordel de merde. Toute la distance parcourue, c'est beaucoup. Et apparemment, c'est l'ennemi mon perso préféré. C'est vrai. Attendez, j'ai envie de. Utilisation du gyroscope 3%. Ah du coup je l'ai quand même utilisé sans le vouloir une fois. Ok bah je me suis fait enculer par Nintendo. Yes. Et du coup voilà, bah si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Cooper. Et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.